C'est Papa Philippe Ouazangoy. La logique voudrait que Papa Oligui Nguema, du CTRI, laisse la liberté à Patience d'aller voir son enfant. Laisse aux Gabonais comme moi, son oncle, d'aller le voir. Laisse tous les Gabonais voir Ali circuler à Libreville. Dès lors, vous avez laissé la liberté de circuler. Vous ne pouvez pas l'enfermer. Je comprends la réaction de la grande sœur Maman Patience, mais ce que nous nous posons, nous ne comprenons pas pourquoi le CTRI refuse que quelqu'un ait le courage d'aller voir son enfant. Il paraît même que pour que Ali Bongo Ondimba soit visité, il faut passer par le protocole de la présidente de la République dirigé par le CTRI. C'est une incompatibilité. C'est vraiment l'incompatibilité parce qu'il est incompatible que moi je suis le père ou la mère de mon enfant. Il est libre et moi pour aller le voir, je dois venir demander au protocole. Vous nous cachez quoi? Est-ce que vous cachez quelque chose aux Gabonais? Au regard de ce que nous écoutons, Ali est mort en 2018. Ali, c'est les sosies et tout. Vous cachez quoi? Libérez la patience d'aller voir son enfant, savoir effectivement que c'est son enfant qui est devant lui. Ou auquel cas, vous jouez à un jeu machiavélique. Il faut arrêter avec ça, Wally. Donc, il faut comprendre une chose que nous sommes déjà à bout de force pour se dire, mon Dieu, est-ce que c'est Ali qui est là-bas? Est-ce que c'est pas Ali? Maman parle. C'est pas Ali? Je ne vois pas mon enfant, Wally. Si tu veux diriger ce pays, déclare-nous qu'Ali est mort ou il n'est pas mort. Et laisse les parents d'Ali aller le voir normalement. Comme Nguema, quand il quitte Oyem, venir te voir, il vient voir son enfant. Comme Patience quitte sa maison, il va voir son enfant, il mange avec lui, il regarde. Je vais demander les excuses à ma grande soeur Patience. Tout simplement parce que j'ai dit, ça ne sert à rien d'insulter Oligui. Mais moi, en tant que son petit frère, j'ai réagi pour dire, Oligui Nguema, président, laisse Ya Patience aller voir son enfant. Et à partir de là, elle dira, c'est mon enfant que j'ai vu, ou bien c'est un sosie. C'est un sosie. Parce que cette dispute a trop duré. D'autres disent qu'Ali est mort à Djihad, d'autres disent c'est le sosie, on ne sait plus. Vous vous amusez avec le peuple gabonais. Ah ouais, Oligui. Tu t'amuses avec le peuple gabonais parce que tu es passé président. Laisse la grande soeur patiente, ta mère, aller voir son enfant et qu'elle vienne nous dire publiquement à la télévision, j'ai vu mon enfant que j'ai élevé, j'ai vu mon enfant que j'ai adopté ou quoi, ou quoi, ou quoi, je n'ai rien à foutre qu'il soit adopté ou pas, mais c'est notre enfant. Moi, je veux que tu le libères. Tu libères sa mère, allez voir son enfant. Et à partir de là, le peuple gabonais sera fixé. Ou, à la limite, vous êtes dans une déstabilisation machiavélique qui veulent toujours assujettir le peuple gabonais. Je vous dis, ça ne passera pas. Il faut libérer Maman Patience, allez voir son enfant. Il faut libérer Jean Boniface Asselé, Emma Rose, allez voir leur enfants. Et à partir de là, ils pourront nous dire effectivement c'est Ali Bongo qui est là, à la sablière, ou c'est pas Ali Bongo Ondimba. OK. Et là, c'est Papa Philippe Ouazango qui le dit parce que je suis attaqué par la diaspora qui dit n'importe quoi et tout. Pourquoi Oligui interdit que maman aille voir son enfant? Voilà. Nous voulons la vérité. Si Ali est mort, il est mort. C'est tout. Si Ali n'est pas mort, laissez les parents d'Ali voir Ali. Restez ne serait-ce qu'à côté de lui. Et puis c'est tout. Bye bye et ciao ciao.